Bien, bonjour et bonsoir à toutes et à tous en fonction du lieu où vous vous trouvez. Nous allons donc démarrer la session sur The State of the Congo Basin Forest, Unleashing the Power of Regional Data and Information. La session, je suis donc Florence Pala, je vais modérer cette session qui va donc démarrer. Nous allons avoir quatre articulations avec d'abord l'ouverture de cette session par le directeur général de CIFOR, Dr. Robert Nasi. Puis nous aurons quatre présentations suivies d'un jeu de questions-réponses et nous allons donc clôturer cette session. Donc sans plus attendre, nous allons ouvrir cette session. Je demande à M. Robert Nasi, you have the floor. Merci Florence. Sir, I don't know if you do it in French or in English, but fundamentally, I think we can do it in French. So, donc, on va parler français pour une fois. Bonjour à toutes les personnes en ligne. Je dois dire que dans le contexte du Congrès forestier mondial à Séoul, l'OFAC, ça paraît un petit peu marginal pour la vie, mais on sait combien c'est important pour nous. Et c'est d'autant plus important parce que si on veut réaliser ou mettre en place les objectifs de la déclaration de Glasgow qui a été signée par 141 pays lors de la COP26, il faut absolument qu'on ait les moyens de savoir quel est l'état des forêts, et savoir comment il évolue et avoir ces données parce que les pays se sont engagés à stopper, alors ce n'est pas la déforestation, c'est ce qu'ils appellent le forest loss, en 2030. En 2022, il nous reste 8 ans pour ça et donc il faut absolument avoir des données et pour une région comme l'Afrique centrale, l'OFAC est vraiment quelque chose de centrale et d'une importance qu'il ne faut pas négliger en termes d'informations et d'aide à la décision pour les gouvernements, à la fois des pays d'Afrique centrale, mais aussi la coopération nationale, les bailleurs de fonds et autres. Et donc, c'est vraiment un plaisir de voir où nous en sommes arrivés là, après... je ne sais plus combien d'années de travail de l'OFAC. Je crois que c'est une démonstration de ce qui peut être fait en collaboration avec les gouvernements, en collaboration avec le secteur privé, en collaboration avec la société civile. Et je suis quand même assez fier d'avoir fait partie de cette aventure depuis le début. Et donc, je suis très intéressé à voir l'évolution et les différents chapitres qui vont nous être présentés dans le reste des présentations. Je ne vais pas parler plus longtemps et donc je redonne la parole à Florence qui va introduire le prochain speaker. Florence. Merci Robert pour cette introduction. Effectivement, l'OFAC, c'est la cellule donc, technique de la COMIFAC et c'est un appui déjà... depuis une quinzaine d'années, et cet état des forêts qui va vous être présenté en est à sa 7e édition depuis 2005. Donc, après les propos introductifs du Dr. Robert Nasi, nous allons donner la parole au secrétaire exécutif de la COMIFAC, M. Hervé Maïdou. Monsieur le secrétaire exécutif, vous êtes en ligne? En ligne. Vous avez la parole, monsieur le secrétaire exécutif. Vous me recevez? Oui, c'est bon, vous pouvez y aller. Ok, je vous remercie pour cet événement. Il est vrai que nous sommes distancés de 7 ou 8 heures de temps. Ici, fait jour, vous devez être dans la nuit là-bas. Alors, quand j'ai suivi l'intervention de Robert tout à l'heure, je me dis non, l'OFAC n'est pas à l'extrémité de tout ce que nous faisons aujourd'hui, parce que pour nous, COMIFAC, l'OFAC, c'était un outil qui avait été décidé par les États afin de pouvoir leur donner
des éléments pour une prise de décision. Et nous sommes dans la ligne qui a été tracée, effectivement, qui a été voulue par les États, et nous sommes en train d'évoluer vers ce sens. Et c'est normal que nous puissions présenter cet outil d'aide à la décision à cette instance du Congrès forestier mondial, pour dire que toutes les décisions qui se prennent aujourd'hui ne sont vraiment pas marginalisées, comme on peut le croire. Il y a certains pays qui essaient de mettre en œuvre les résultats de l'OFAC. Ça leur permet d'avoir une idée sur le potentiel de leurs ressources. Et pour cela, je voudrais aborder dans le sens où les États se sont engagés depuis plusieurs années à faire des réformes, et des réformes sur la base des résultats scientifiques qui ont été produits par cette institution, par cette organisation qui est une cellule technique de la COMIFAC. Et très récemment à Glasgow, il y a eu l'engagement des États depuis Berlin où nos États ont voulu avoir un paiement équitable sur la base de tout ce qui est produit au niveau de la sous-région à travers leur effort de conservation et de gestion durable des ressources forestières et environnementales. Cet engagement s'est matérialisé effectivement dans l'engagement au niveau de la CEMAC, qui est la communauté économique et monétaire des États d'Afrique centrale, à interdire l'exploitation de bois sous forme de grumes. Et cela n'est pas anodin, c'est parti sur la base des données statistiques qui ont été produites, dont l'OFAC a contribué effectivement dans la production de ces données. Il y a eu un engagement très récemment également des États pour soutenir un développement durable basé sur une économie circulaire. Et pour cela, l'OFAC est l'outil phare de la COMIFAC qui permet de récolter les données au niveau de la sous-région, au niveau des différents pays, pour pouvoir les intégrer au niveau d'une politique sous-régionale qui est aussi soutenue par la CEAC, qui est la Commission des États d'Afrique centrale. La production des états de forêt du bassin du Congo, on en a parlé tout à l'heure ici. Moi, je préciserai, hein, du bassin du Congo, c'est un peu restreint, mais la production de l'état des forêts d'Afrique centrale, donc du bassin du Congo, a été soutenue très dernièrement par l'édition de l'état des aires protégées, ce qui est une innovation. Et nous allons poursuivre le travail dans ce sens. Nous allons soutenir les efforts qui ont été faits par l'OFAC avec l'appui des pays pour pouvoir aller vers une nouvelle version de l'état des aires protégées. Je pense que de plus en plus, nous avons des outils d'aide à la décision qui sont produits grâce à l'exécution de cette cellule technique. Et de plus en plus, nous sommes orientés vers le développement de notre politique, hein, sur l'amélioration de la gouvernance forestière et de l'environnement. C'est un travail qui est assigné à cette organisation. Et comme vous le savez, avant d'arriver à cela, il y a tout un travail de collecte de données qui doit être fait. Aujourd'hui, nous visons l'amélioration, la perfection dans la collecte des données et également dans l'utilisation des données afin que nos États puissent avoir une vision claire sur les données qui proviennent de différents pays. Il y a eu des couacs à un moment donné par rapport à ces collectes de données parce que nous cherchons toujours l'amélioration et nous essayons de comprendre pourquoi certaines données ne sont pas renseignées et de plus en plus nous allons vers une amélioration de ce processus afin de pouvoir fournir des données scientifiques qui permettent de répondre à des préoccupations. De plus en plus, nous évoluons vers le carbone aujourd'hui avec les questions climatiques. Et vous savez que le bassin du Congo, naturellement, avec les forêts d'Afrique centrale, constitue en ce moment le poumon le plus important en matière de séquestration de carbone et son rôle dans l'équilibre planétaire en matière de climat. Donc, c'est autant d'éléments qui nous poussent à regarder de plus en plus vers les autres secteurs qui interagissent avec la forêt de manière à comprendre comment est-ce que nous pouvons avoir des indicateurs précis pour nous permettre d'évaluer l'évolution de la gouvernance forestière dans la sous-région et donner un temps par rapport à la politique qui se met en œuvre aujourd'hui pour ne pas que nos forêts puissent en pâtir.
Et pour cela, nous développons de plus en plus un partenariat avec les autres parties prenantes pour la collecte de ces données. Vous savez que c'est tout le monde qui a besoin des données qui sont produites au niveau de l'Afrique centrale et nous essayons d'ouvrir ce partenariat avec tous les utilisateurs potentiels, les scientifiques du monde entier, etc., pour voir comment est-ce que nous pouvons accorder nos énergies pour avoir des données fiables pour ce relique, je dirais, hein, de forêt qui reste aujourd'hui et qui a un rôle très important dans l'équilibre planétaire en matière de climat. Donc voilà, très rapidement brosser ce qui est fait de manière innovante au niveau de la sous-région, de manière à développer un partenariat avec tous les acteurs qui interviennent dans la collecte de données, afin d'avoir des données efficaces pour présenter au niveau international. Également pour la recherche de solutions en matière de financement sur le carbone, quelle quantité nous avons effectivement au niveau de la sous-région, quelle quantité nous sommes à mesure de pouvoir mettre sur le marché. Je crois qu'à partir des données qu'on va collecter au niveau des pays et de la centralisation de ces données au niveau de l'OFAC, d'une meilleure analyse et de l'interprétation de ces données, ça pourra nous permettre d'avoir des meilleures décisions à prendre pour la gestion, une meilleure gouvernance de nos ressources naturelles et environnementales. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Secrétaire exécutif. Et justement, c'est une bonne transition puisque vous avez évoqué le fait qu'il ne s'agissait pas seulement de l'état des forêts du bassin du Congo. Nous allons aller maintenant au cœur de la session avec la présentation justement de la structure de l'état des forêts d'Afrique centrale. Cette présentation sera faite par le docteur Richard Eba, qui est aussi le coordinateur régional du CIFOR. Docteur Eba. Oui, merci, Madame la modératrice. Bonjour à ceux qui sont hors d'Asie et surtout bon après-midi à ceux qui sont à Séoul. Le rapport État des forêts du bassin du Congo pour 2021 est en effet en cours d'édition et il devra être disponible sous plusieurs formes dans peu de temps. Suivante, septième du an, parce que le premier a été en 2005 et l'avant-dernier a été publié lors de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique qui a eu lieu à Paris en 2015. Le contexte d'élaboration du présent rapport a été particulier. Un contexte positif, le gain de la communauté nationale sur les forêts d'Afrique centrale, un contexte caractérisé par la contrainte du COVID-19. Comme vous le savez, le rapport État des forêts est préparé dans un processus de consultation. Et la COVID-19 a constitué une contre-situation. Bref, on a appris à utiliser des nouvelles méthodes de consultation. Néanmoins, on a pu mobiliser environ 180 experts d'Afrique centrale, originaires d'Afrique centrale, mais aussi de l'extérieur d'Afrique centrale, tous intéressés par les écosystèmes forestier d'Afrique centrale. Le rapport État des forêts 2021 est organisé en partie et 13 chapitres suivants. Suivant. La première partie est, je dirais, c'est le corps, c'est le cœur même de l'État des forêts.
nous montrons l'état des ressources forestières d'Afrique centrale et l'état des écosystèmes et aussi leur gestion. Cette partie comporte 5 chapitres. Un premier chapitre sur l'utilisation des terres et les différentes évolutions du couvert forestier en fonction des situations des terres. L'expertise vient beaucoup de la télédétection. Le chapitre 2, quant à lui, parle du sous-secteur bois d'œuvre dans le bassin du Congo. Vous savez que l'Afrique centrale demeure un producteur au niveau international important du bois d'œuvre qui entre dans le commerce international et aussi un grand consommateur du bois d'œuvre industriel, mais aussi dans des secteurs artisanal et informel. Le chapitre 3 traite des plantations forestières en Afrique centrale. Les plantations forestières en Afrique centrale sont pratiquées depuis très longtemps à divers titres, pour les industries, aussi pour les essais de provenance, à divers titres. On fait le point dans le chapitre 3 sur l'évolution des plantations forestières en Afrique centrale. Le chapitre 4 traite de la finance. Le secrétaire exécutif tout à l'heure a mentionné plusieurs fois les aspects financiers. Il y a un certain nombre de flux financiers internationaux pour appuyer l'Afrique centrale dans la gestion des forêts et la conservation des écosystèmes. Nous faisons le point dessus dans le chapitre 4. Depuis, comme vous le savez, depuis les années 2005-2007, il y a eu cette dynamique de RED+, et plusieurs pays d'Afrique centrale ont mis en place des sites ou de mise en œuvre de la RED+, des activités RED+. Dans ce rapport État des forêts 2021, chapitre 5, on fait aussi le point sur ces activités RED+. Diapositive suivante. La partie 2, quant à elle, comporte 3 chapitres et elle traite des forêts d'Afrique centrale dans les débats internationaux. Le directeur général du CIFOR et puis le secrétaire exécutif de la COMIFAC ont signalé Glasgow, par exemple, toutes les discussions qu'il y a eu là-dessus. Et ce rapport État des forêts 2021 a aussi alloué une partie importante à ces débats. Ainsi, le chapitre 6 traite de la gestion des forêts d'Afrique centrale et des objectifs de développement durable, ODD. Le chapitre 7 traite des engagements des pays d'Afrique centrale pour contribuer aux réponses du monde vis-à-vis du changement climatique. Il s'agit particulièrement de parler des contributions nationales déterminées, de leur mise en œuvre et des défis qui sont rencontrés dans cette mise en œuvre. Le chapitre 8 est un chapitre qui s'est imposé à nous avec le temps. La lutte contre la déforestation importée qui a fait beaucoup de progrès dans la mise en place des instruments légaux et des instruments commerciaux au niveau international et particulièrement en Europe et qui a des implications et des impacts en Afrique centrale. Vous savez que l'Afrique centrale vit aussi de l'exportation des matières premières, dont le bois qui vient des forêts, mais aussi le cacao et d'autres. De plus en plus, il y a le développement du palmier à huile et de l'hiver, tous des produits concernés par la lutte
contre la déforestation importée. Ce rapport État des forêts 2021 s'intéresse à ces impacts et discute de la position centrale sur le thème de la déforestation importée. Suivant, la partie 3 revient sur les thématiques émergentes, les thématiques qui se sont imposées pendant les 5 dernières années. Et l'une des thématiques, il se parle du chapitre 9, c'est les tourbières qui ont été découvertes en Afrique centrale et leur importance qui a beaucoup grandi dans les débats et dans les discussions et dans les stratégies autour des dernières années, les tourbières en République du Congo, en République démocratique du Congo, qui sont identifiées comme des espaces majeurs dans la séquestration du carbone par leur contenu en carbone. Et évidemment, avec la COVID-19, on a pensé faire une discussion aussi, on a pensé traiter du cas des maladies émergentes et réémergentes, pas seulement la COVID-19 qui de toute façon n'a pas d'abord été identifiée en Afrique centrale, même si elle a affecté le monde entier, mais c'est une thématique qui a beaucoup d'importance. Nous pensons même que son importance va grandir au fil des années. Suivant la dernière partie, c'est la partie 4 qui traite de 3 défis majeurs dans la gestion des forêts d'Afrique centrale. Le premier qui est connu, mais qu'on n'a pas encore pu relever et qu'on devra toujours confronté, c'est celui de l'utilisation des terres, la planification de l'utilisation des terres en Afrique centrale. Et cette planification comme instrument qui contribue à la gestion durable, non seulement des forêts, mais de toutes les terres et de tous les modes d'occupation des terres. Le chapitre 12, quant à lui, traite de la restauration des paysages forestiers. Comme vous le savez, la décennie actuelle a été déclarée décennie la restauration. Et l'Afrique centrale, qui a aussi des ressources et des systèmes dégradés, soit par les secteurs comme l'agriculture, les mines, de relever les défis de la restauration de ces écosystèmes. Et enfin, un autre défi est celui de tenir compte des droits des populations locales et des peuples indigènes dans toutes les politiques de gestion des forêts et de conservation qui sont mises en place en Afrique centrale. Voilà, en gros, la structure de l'état des forêts. C'est juste pour vous dire que le rapport état des forêts a été très appuyé financièrement, principalement par l'Union européenne, mais aussi par la coopération allemande à travers l'association du partenariat pour les forêts du bassin du Congo. Il y a eu un très grand nombre de partenaires, mais les principaux partenaires, parce que ce rapport État des forêts est publié avec une grande participation du projet de renforcement des forêts d'Afrique centrale, RIOFAC, qui est mis en œuvre par partenaires techniques de CIFOR-ICRAP, CIAD, de RM Ingénierie et de l'Université catholique de Louvain. Ici, je m'excuse, il y a beaucoup d'autres partenaires, mais la coordination des chapitres est souvent revenue
à ces institutions. Il y a beaucoup d'autres partenaires techniques, les universités, l'université de Wageningen, par exemple, et d'autres institutions qui se sont, comme la FAO, qui se sont aussi impliquées pour la rédaction des chapitres. Donc, je remercie toutes ces institutions et peux dire qu'on est très avancé avec la publication des chapitres en ligne et à Séoul. Vous avez déjà tous les résumés si vous voulez aller plus loin dans, pour savoir ce qui est à l'intérieur des chapitres avant de lire plus tard. Les résumés sont disponibles au Congrès forestier mondial à Séoul. Sur ce, Madame la modératrice, je vous remets la parole en vous remerciant. Merci. Merci, docteur Richard Bas, pour la présentation donc, de la structure du prochain état des forêts d'Afrique centrale. Donc, comme on l'a suivi, c'est donc quatre grandes parties, 13 chapitres. Et justement, nous allons permettre à notre auditoire de pouvoir suivre certains chapitres. L'approche ici, c'est de pouvoir extraire de chaque partie un chapitre. Et nous allons donc démarrer par le chapitre 1, qui traite justement de la répartition des types de forêts et leur évolution selon leur affectation. Cette présentation sera faite par le professeur Pierre Defourny de l'Université catholique de Louvain. Le professeur Pierre Defourny est aussi, par rapport à son université, membre du consortium du projet d'appui à l'Observatoire des forêts d'Afrique centrale et a fortement contribué à l'élaboration de cet état des forêts 2021. Donc, pour ceux qui sont en ligne, les présentations sont en anglais. Et je demanderai aux présentateurs, donc ils ont 15 minutes et vous pouvez vous exprimer in French or in English. Professeur Pierre Defourny, vous avez la parole. Alors, la présentation va être partagée directement en salle pour des raisons logistiques. OK. Merci, Florence. Donc, je comprends que l'exposé se fait en français, c'est bien correct? Les slides étant en anglais, vous pouvez vous exprimer soit en anglais, soit en français. D'accord. Est-ce que vous voyez correctement mon écran ou vous le gérez de votre côté? Nous gérons de notre côté. D'accord. Donc je vous remercie pour la parole. Donc je vais vous présenter la synthèse qui a été établie dans le cadre de l'état des forêts concernant en fait la distribution des types de forêts et leur évolution selon leur affectation. C'est un travail qui a permis de combiner à la fois les expertises du Centre commun de recherche européen, l'Université du Maryland et bien d'autres collègues répartis dans le monde sous la coordination de l'UC Louvain. Donc le travail a été essentiellement réalisé par Juliette Dalimier et Quentin Jungers et moi-même. Quant à la synthèse. Et donc, ce qui est particulièrement important à comprendre, c'est qu'aujourd'hui, les forêts d'Afrique centrale sont à la fois soumises aux risques climatiques et aux risques anthropiques, et que comparativement à l'Amazonie, la synthèse montre que les forêts non perturbées d'Afrique centrale absorbent par hectare davantage de carbone que les forêts amazoniennes, pour des raisons de taille et de hauteur de grands arbres, et ainsi que de non-saturation du stockage de carbone. Par contre, la distribution spatiale des stocks de carbone au sein du bassin d'Afrique centrale est particulièrement peu connue. Là, je passe à la diapositive suivante. En fait, aujourd'hui, grâce à la mise en œuvre d'une série de satellites, notamment européens, on dispose d'une source opérationnelle de suivi sur de très grandes surfaces des forêts tropicales qui sont toujours difficiles d'accès. Et donc, l'absence ou la rareté des observations de terrain qui limitent la cartographie
de la distribution spatiale des forêts et des stocks de carbone peut être partiellement compensé par ces images satellites. Et donc, pour faire ce type de travail, il faut non seulement pouvoir valoriser au mieux ces nouvelles imageries, mais également pouvoir compter sur des sites où la biomasse forestière est particulièrement précisément estimée. La première étape qui a été réalisée dans le cadre de l'Observatoire des forêts d'Afrique centrale, et c'était une étape très importante, a été d'harmoniser l'ensemble des types d'harmoniser la typologie des types de forêts à l'échelle du bassin. Et donc, avec les experts nationaux, à travers plusieurs ateliers, ce travail a été réalisé pour déboucher sur une structuration d'une typologie sur le plan fonctionnel. Par ailleurs, l'Observatoire des forêts d'Afrique centrale a permis de fournir un grand nombre de couches d'informations, notamment les concessions forestières, les affectations du sol et bien d'autres sources qui ont été particulièrement importantes dans l'analyse et la synthèse des connaissances sur l'état des forêts en matière de leur distribution. Cette typologie est évidemment compatible avec les standards internationaux. Le défi qui a été relevé pour le travail du chapitre 1, ça a été de valoriser au mieux les données de type sentinelle, et en particulier d'établir une méthode originale pour le pré-traitement de ces données qui permettent en fait leur exploitation au meilleur niveau. En effet, les conditions atmosphériques de la région rendent particulièrement difficile l'exploitation de ces données qui sont affectées par les voiles atmosphériques et les nuages. Comme vous le voyez là, on a amélioré largement ce qui était le standard habituel concernant la synthèse temporelle des images. Cette synthèse temporelle des images a permis alors, grâce à différents ateliers avec les experts nationaux et les informations collectées existantes par l'Observatoire des forêts d'Afrique centrale, de créer cette cartographie dont vous voyez ici en primeur, si je puis dire, la répartition de 10 types de forêts à 20 mètres de résolution. Ça n'a jamais été fait, évidemment, à l'échelle du bassin avec ce niveau de détail. Et vous pourrez en prendre connaissance au moment de la livraison de l'état des forêts. Il y a non seulement des données Sentinel-2, qui sont des données dans l'optique, mais aussi des données radar qui ont permis de passer à travers les nuages dans les endroits où c'était trop compliqué. Et enfin, des données topographiques qui sont issues de la navette spatiale permettant en fait d'identifier de manière plus précise les zones inondables. Mais ceci n'est qu'une description de la situation actuelle et l'essentiel est certainement de se donner les moyens de suivre l'évolution. Et pas l'évolution dans l'absolu, mais l'évolution selon les affectations des sols, selon les utilisations. Et donc, au-delà de cette distribution des types de forêts, le GRC a fait un gros travail concernant le suivi des forêts tropicales humides intactes qui a été publié en 2021. Par ailleurs, l'Université du Maryland a fait également un gros travail concernant le suivi des perturbations dans le bassin du Congo. Donc, la combinaison en fait, de ces différentes sources d'informations permet aujourd'hui d'avoir un système d'alerte, même s'il serait souhaitable que ce système d'alerte soit géré à l'échelle de la région et pas à l'extérieur de la région. L'enjeu, en fait, de toutes ces sources d'informations, c'est de les rendre cohérentes, de les consolider. C'est le rôle de la synthèse du chapitre 1 en la matière. Et donc, c'est le travail ici du GRC, le Tropical Moist Forest, qui a cherché à détecter les surfaces qui sont restées non perturbées à travers deux décennies et les surfaces qui ont subi de la déforestation, de la dégradation ou du recrut forestier. En fait, comme on peut le lire dans leur publication, il y a eu 200 millions d'hectares en fait, qui sont en situation de forêt intacte ou largement non perturbée en janvier 2020. Et donc, ce qui est particulièrement important à savoir et à conserver, ça correspond en fait à une superficie non négligeable du territoire qu'il convient de probablement préserver au mieux. Par ailleurs, 9% en fait de la surface
a complètement disparu depuis l'an 2000, ce qui est une perte significative, évidemment. Et enfin, 7% des surfaces résiduelles intactes ont subi des dégradations au cours de ces dernières années. On voit en fait ici l'évolution croissante de la perturbation au niveau des forêts tropicales humides d'Afrique centrale au fur et à mesure de ces dernières périodes, en particulier les 5 dernières années, qui en fait on présente un taux de dégradation croissant largement inquiétant. On voit en fait ces barrettes jaunes et oranges augmenter ainsi que les barrettes rouges qui sont beaucoup plus importantes dans les années les plus récentes. Si on regarde à partir de ce travail réalisé les synthèses de taux de déforestation annuel au niveau des différents pays, on voit évidemment des situations assez contrastées qui évoluent également dans le temps. Je vous laisserai apprécier ce genre d'informations détaillées. Mais en fait, au-delà de ça, la volonté de l'état des forêts, du rapport sur l'état des forêts, c'est de faire la synthèse de toutes les connaissances et de toutes les études. Donc ici, c'est le tableau qui reprend en fait toutes les estimations fournies par tous les fournisseurs de données concernant la déforestation dans les différents pays. Et comme vous le voyez, ça peut varier significativement selon qu'on s'intéresse à la FAO FRA ou qu'on a des études nationales ou que ce sont des études scientifiques d'un côté ou de l'autre. Et donc, ça justifie certainement le travail de mise en cohérence et le travail de développement d'une capacité régionale en la matière. Alors, comme je le disais tout à l'heure, c'est très bien de voir l'évolution, mais c'est encore plus important de voir cette évolution par rapport à l'affectation de ces différentes forêts. Et comme vous le voyez ici, grâce à l'Observatoire des forêts d'Afrique centrale qui a collecté les concessions forestières, les aires protégées, les concessions minières, les forêts communautaires, les forêts communales, en fait, vous avez à disposition les différentes affectations du sol qui ont été proposées par les gouvernements et leur correspondance en termes d'occupation du sol, tel que vous les voyez ici. Et donc, vous voyez qu'au Burundi, par exemple, on a principalement des aires protégées et des zones non affectées. Par contre, au Cameroun, on va retrouver l'ensemble de ces types d'affectations, y compris les forêts communales. Donc, pour chacune de ces affectations, on peut apprécier la proportion de forêts affectées ou pas dans ces différentes fonctions du territoire. Évidemment, ce qui est particulièrement intéressant, c'est de comparer les dynamiques d'évolution des forêts tropicales par rapport à leur affectation. Et vous voyez ici en haut à gauche les concessions forestières et les taux de déforestation, les taux de dégradation et les taux de croissance observés dans les forêts de concession. Au même titre, vous avez les aires protégées. On peut apprécier les taux de déforestation, les taux de dégradation et les taux de croissance forestière dans ces zones d'air protégées, et ce, pour une première décade de 2000 à 2010 et une deuxième décade de 2010 à 2017. La même chose pour les concessions minières et la même chose pour les zones non affectées. Ce qu'on va observer, c'est que, et c'est une très bonne nouvelle en soi, c'est que les zones non affectées, en fait, sont relativement impactées par les processus de déforestation. Si on regarde dans le coin en bas à droite, les taux de déforestation entourés sont relativement élevés et concernent en fait donc les zones non affectées. Ici, on a entouré la RDC, qu'on va comparer à peut-être les zones de... C'est en bas à gauche. Vous voyez que les concessions minières sont encore plus affectées, sont encore plus perturbées, évidemment, que les zones qui ne sont pas affectées à une utilisation précise. Par contre, si la zone forestière est affectée à une concession forestière, on se rend compte qu'elle est soumise à un taux de déforestation et à un taux de dégradation qui semble bien moindre que celui des forêts non affectées. Donc, la concession forestière
jouant ici un rôle à premier niveau de protection de la forêt ou de la ressource. Et enfin, les aires protégées, comme vous le voyez ici, sont évidemment, et c'est une bonne nouvelle, les zones les moins déforestées et les moins dégradées, et donc en fait constituent une véritable protection du territoire forestier qui est effective, puisque l'observation de la Terre par satellite va être aussi transparente et aussi neutre que possible par rapport à ces affectations. Et donc, ceci traduit le fait que, évidemment, les politiques nationales pour les différentes affectations du sol, donc l'aménagement du territoire national, peut jouer un rôle significatif quant à la conservation des forêts tropicales humides non perturbées ou même déjà dégradées. Pour conclure, en fait, je voudrais simplement rapporter les deux éléments clés. C'est qu'aujourd'hui, en fait, on a une dynamique de taux de déforestation et de dégradation qui continue à augmenter dans le bassin d'Afrique centrale. Ce taux de déforestation, si on ne l'arrête pas, en fait, va nous conduire à la perte d'un quart des forêts non perturbées du bassin du Congo à l'horizon 2050. C'est évidemment un scénario qu'on ne peut pas s'autoriser dans le contexte tel qu'on le connaît aujourd'hui. L'excellente nouvelle, c'est que les politiques d'aménagement du territoire et d'affectation de sol constituent un outil majeur, un instrument majeur pour lutter contre la déforestation et la dégradation. Et la troisième conclusion, c'est qu'aujourd'hui, les sources d'informations disponibles existent, la capacité d'observation de l'évolution des forêts est démontrée comme possible par un grand nombre d'acteurs. Il serait maintenant souhaitable que cette capacité soit en fait mise dans les mains des gouvernements nationaux et de l'OFAC en particulier pour arriver à une estimation à partir de la région. Par ailleurs, de nouveaux satellites, en tout cas de nouvelles données, comme les données JEDI qui existent déjà et les données du satellite Biomass qui va être lancé prochainement, vont certainement permettre d'aller vers une meilleure estimation des biomasses forestières. Donc, comme je le disais, la légitimité en fait, de ce suivi des forêts tropicales humides doit être assurée par le fait que ce soit remis dans les mains des pays afin d'assurer en fait une transparence, une traçabilité des systèmes de suivi et de garantir l'indépendance des autorités nationales quant à leur capacité de reporting. Mais pour y arriver, il est clair qu'aujourd'hui, la Comifac et les experts de la Comifac doivent probablement prendre le leadership pour assurer de manière harmonisée à la fois les méthodes de suivi et les méthodes et la typologie des forêts, de manière à pouvoir non seulement faire un reporting national, mais faire un suivi régional de l'ensemble des forêts du bassin qu'il convient de surveiller de près dans les années à venir. Je vous remercie de votre attention et je reste disponible pour les questions. Merci, professeur. Merci, professeur De Fourny, pour cette synthèse sur les connaissances cartographiques des types de forêts et leur évolution en fonction de leur affectation. Nous allons continuer à parcourir donc, le prochain état des forêts d'Afrique centrale et nous allons maintenant avoir une présentation du chapitre 8 sur la lutte contre la déforestation importée et les engagements en faveur de la zéro déforestation. Donc, cette présentation sera faite par le professeur Verina Ingram de l'Université de Wageningen. Vous avez la parole. Donc, thank you. Le contrôle va être fait de la salle. OK. Thank you. So I'm going to do this presentation in English. Good morning, good afternoon to everyone. And talk about how Central Africa is responding to imported deforestation. So if we can go to the next slide, I'll explain briefly what we mean by imported deforestation. So basically, it's the imports of raw materials or processed products
whose production is contributed either directly, for example, through deforestation, or indirectly, so for example, by a slow process of conversion to deforestation, or degradation, or the conversion of natural ecosystems outside of the natural territory. So the commodities that we're talking about mainly in Central Africa are cocoa, timber, palm oil, rubber, and to an extent, coffee and cotton. So cotton, of course, mainly in the savanna areas. And imported deforestation is a dynamic process, huh? So we can look back in time and see periods, especially around the pre- and post-colonial changes around the 1950s and 60s, where productions of cash crop commodities, which had mainly direct deforestation. So forests were felled directly for cocoa, for example, for oil palm, or slow processes where, first of all, around the 60s and 70s, where forests were cut mainly for agriculture, for subsistence crops, and then gradually converted, for example, into cocoa agroforests. The contrast between the definition of imported deforestation and zero deforestation is purely that zero deforestation is a commitment that implies no forest areas have been illegally cleared or converted. And this illegally is very important because in many cases, conversion of forest areas is allowed depending on the status of the area, huh? Whether it's designated as a forest domain or not. And it makes a big difference depending on who is using it. So for example, whether governments or NGOs or commodity buying companies, and whether it's seen as being illegal, just permitted deforestation or illegal deforestation. And also important to note that these processes of both imported deforestation and commitments to zero deforestation are happening around commodities from monoplantations, so especially for rubber, for example, and to some extent for palm oil, but also mainly on small scale. So the average that we've seen is somewhere between 2 and 5 hectares of small plantations of cocoa, coffee, and small intercropped is not from plantations in the Congo Basin, but from natural forests. So we can go to the next slide, please. So what we're seeing in the last 5 years is an increasing consensus on the need to combat deforestation, especially deforestation that's being caused directly or indirectly through commodity production by different land management stakeholders. So for example, the governments in the Congo Basin, many civil society actors, who are engaging in large-scale programs, certification organizations, buyers of commodities, both in the north and the global north, but also producers of these commodities, associations, for example, of farmers in the Congo Basin. And we're seeing that the policies and approaches used are very varied at the moment, and they can have significant social and economic consequences, both for the producing countries in the Congo Basin countries. We'll talk a bit about who are the buyers at the moment. You can see from the map about Congo Basin is not alone in this issue. So especially in the Amazon, but also looking to Southeast Asia, this issue of deforestation caused through commodities is a very real issue, and it has been increasing since the last decade. So let's go on to the next slide, please. So what we see in political terms is a huge amount of different interplays and initiatives being introduced by both
importing countries and exporting countries. And when we're talking about importing deforestation, the European Union has been especially active, but also the states and to an increasing extent, China. Some of the first initiatives started around 10 to 15 years ago, directly linking deforestation to commodity production, especially timber, by civil society organizations and NGOs who were lobbying against, especially illegal deforestation caused by timber. We've seen this picked up, especially in voluntary sustainability standards. So FSC, more than 20 years ago, is one of the longest running, but we see increasingly standards around coffee and cocoa, Rainforest Alliance, organic, OOTS formerly, and RSPO for palm oil. We've seen that these policies are being picked up now by COMIFAC members, so the initiatives coming up to combat it, for example, CAFI, Tropical Forest Alliance, and around timber, again, some of the longest running initiatives, mainly focused on the illegality or legality of deforestation in relation to timber production. Since around 2010, we've also seen a huge raft of initiatives coming from member states of the EU. So around the EU timber regulation, Amsterdam Declaration was probably one of the biggest turning points where we saw that importing deforestation commodity countries got together to sign a declaration showing their political commitment, but actually putting very little teeth into it. This is now progressing with the development of the EU communication, EU directive on zero deforestation, which is under discussion at the moment. We've seen similar initiatives happening in the USA with the Lacey Act, and also in China with some focus on how deforestation is handled in terms of what is termed ecological civilization, looking at green bonds that support deforestation. But maybe the biggest raft of interplays is around private sectors. So these are voluntary commitments by mainly big commodity producing or trading companies committing publicly, and then in some cases also putting actions on the ground in terms of individual corporate commitments, for example, for monitoring, reporting on them, in many cases joining with certification and NGOs to try and put these commitments into practice. And that's mainly been expressed through traceability, monitoring, and reporting systems. And this is one of the kind of fastest growing areas. So for example, in Cameroon at the moment, they're looking at how to introduce a traceability system for cocoa that really takes into account deforestation as well as other social issues. So some of the issues, mainly due to this, many different initiatives, is it's important that they have recognized the issue of deforestation. But the big problem is that many of the means to do this remain unclear, or they're only just emerging. So for example, how to monitor, what to monitor, who is responsible for doing it? Who takes the risks? Who bears the cost, for example, of traceability systems? These are only just emerging now. So it's, at the moment, produces a lot of ambiguities. And some of the ambiguities are very basic. For example, across the Congo Basin, different definitions of what exactly is a forest, what is land use and land cover and deforestation. And that relates to directly, whether it's direct or indirect deforestation. And these definitions are really important because if goals are to be set for the region as well as nationally, then these terminology needs to be harmonized.
And also so that it's clear for everyone, especially with this issue of legal or illegal deforestation. So one of the kind of interesting in how deforestation can be monitored, but also how it can be reported upon and how those responsible for deforestation can be both incentivized not to deforest, but also incentivized, for example, for restoration or rewarded for actions that avoid deforestation for cocoa and palm oil. The main issue with certification is that it is a market-based tool. And now a lot of, let's say, debates and discourses are going on about how to change this from a market-based to a more regulatory tool that sets the same standard for all actors working in the Congo Basin. So again, this is an issue of harmonization and integration. Next slide, please. So we see two main approaches happening at the moment in Central Africa, and I briefly typologize them. So if you can click again. So one is market diversification. So with imported deforestation, we see some actors looking mainly to the east, to China and Asian markets and the buyers there of commodities, how they can export more to these less demanding markets. Because although China is developing some policies around it, still they're not requiring the level of traceability, level of reporting, and the costs that go with it that are being required by the Northern European and the Northern American markets. So this is mainly coming from from Europe and North America. And another click, please. And then we can see seven different types of initiatives ranging from regulations around commodity traceability schemes, looking at landscape approaches. So for example, what's happening with the green cocoa landscape in Tridom, so Gabon, Cameroon, and Congo. We're seeing a revitalization in voluntary sustainability standards. We're seeing again, corporate pledges commit to zero deforestation, public partnerships between more consumer manufacturing companies who are using commodities like cocoa and palm oil to support buyers and farmers and governments that help to avoid risk and to support companies in their due diligence initiatives. So for example, monitoring systems that can help companies track where exactly their commodities are from and how they're responsible for deforestation, but also risks of deforestation. And we've seen, especially with the COP26, huge amounts of money pledged for both avoiding deforestation mechanisms to do this, but also for restoration. And that's one of the biggest areas that hasn't happened so far, huh? Actual restoration on the ground of areas that have already been deforested directly to commodities. Next slide, please. Things that need to happen. First of all, is alignment to get all these initiatives together, especially around some definitions and a lot more negotiation, especially between Central African states, but also with Northern buyers and Asian buyers and the countries there. So both on a corporate level, but state level. Also how we're improving on all the experiences learned with timber through FLECT and VBAs and certification in the region, because these provide a lot of insights we can use. And then fourthly is harmonizing these definitions and how monitoring can be taking place. So that's the last slide. Thank you.
Merci, professeur Verina Ingram, pour cette présentation du chapitre sur la lutte contre la déforestation importée, qui montre bien qu'en fonction des politiques ou moyens utilisés par les pays producteurs et exportateurs, il pourrait y avoir, si ce n'est pas bien contrôlé, des conséquences sociales ou économiques. Donc, nous allons avoir notre dernière présentation sur le chapitre 10, un thème important puisque c'est la partie sur les défis avec l'émergence ou plutôt la réémergence d'agents infectieux et risques épidémiques dans les forêts d'Afrique centrale. Donc, cette présentation sera faite par le docteur Mathieu Bourgarel, qui est un chercheur de l'unité de recherche ASTRE pour Animal, Santé, Territoire, Risque et Écosystème du CIRAD. Mathieu. Merci. Good afternoon all. Thank you very much. First of all, I would like to thank CIFOR and Richard Hébin for the invitation to participate to this side event. And I'm pleased to be here today to speak with you about the emergence of infectious disease and epidemic risk in the forest of Central Africa. So, emerging infectious diseases are the major risk of to human health and to society. And the more of those, the more than 60% of known emerging infectious diseases. Can you hear me, everyone? Because I've got unmute to start speaking. Yes, we can hear you. Okay, thank you. Sorry for that. So more than 60% of known emerging infectious diseases are zoonotic diseases. And 75% of these emerging infectious diseases that have emerged over the past decades originate from wildlife. Now it's not working. Okay. A zoonotic disease involves a transmission from animals to human through a complex interactions between human, domestic animals, and wildlife. And in our interconnected world, understanding the mechanism and the factors that lead to these interspecific species transmission is critical to better control those emerging infectious diseases. The emergence of infectious disease of zoonotic origin is due to a combination of intrinsic and extrinsic factors. First, the characteristics of the pathogen. Mutation rates, the resistance of the pathogens to the environment, transmissibility, human-to-human transmission after spillover, and ability to cause long-term chronic infections. But also the ecology and the abundance of the reservoir species and or intermediate hosts and vectors. The environment, the climate, that is more or less favorable to the circulation of the infectious agents, and the territorial factors, which are the product of human activities and the at-risk behavior of human population. The mechanism of emergence actually has three steps. First, it's what we call the invasion, when there is a contact between a reservoir animal and a human. The pathogen must be successfully transmitted. And then you've got the establishment, that the pathogen must be able to multiply in the new hosts. And the third step is the persistence. And the pathogen must be transmitted to human, from human to human. And finally, the epidemic must move from local to national or international scale. And for this spillover to occur, a number of natural barriers
must be crossed. And these barriers vary in time and space. The probability of transmission of infectious agents from its reservoir to humans depend first on the distribution and the density of the reservoir species. Obviously, the more the reservoir species is present in the habitat where used by the human, the greater is the probability of encounter and contact between those two. Second, the dynamic of pathogen in the reservoir host. The greater the prevalence of the pathogen in the reservoir species is, the greater is the risk of having a contact with an infected animal. And the exposure to human to the pathogen. If the animal is infected, the intensity of this infection will determine the likelihood of transmission. This may be through butchery of a wild animal and through repeated bites from an insect vector. And the more contact, and the more contact the human and vector has with body fluids or organ in which infectious agents are concentrated, the greater the risk of transmission is. Internal factor of the person in contact that will determine the susceptibility to infection of the person, such as genetic, physiological, and immunological characteristics. And these characteristics allow multiplication of the infectious agent in the contact case. And then the contact case may become the index case of the epidemic and infect other people. So all these steps represent multi barriers to transmission. And for disease emergence to occur, all those barriers must be breached in sequence at the time, at the right time, at the same place. And this alignment of gap or alignment of planet is necessary to have a spillover. And this alignment is ultimately very rare for viruses such as filoviruses, Ebola and Marburg, or coronaviruses like SARS-CoV, SARS-CoV-2, and MERS-CoV. But it's almost permanent for other zoonotic diseases such as trypanosomiasis, for which incidence in Africa is high due to almost permanent exposures to infected animal and vectors and low resistance in humans. So the model to predict relative risk of distribution of zoonotic infectious emerging infectious disease event developed by Allen et al. In 2017 suggests that the risk of emergence is higher in tropical forest region with high mammalian biodiversity and subjects to land use changes related to human encroachment and agriculture activities. And those global studies therefore point that the African forest, rainforest, as a hotspot for the emergence of those emergent infectious disease. And more than half of all new infection diseases between 1996 and 2009 occurred in Africa. So tropical forest biodiversity is huge. They have the greatest richness of species. And all those animal and plant species are potentially reservoir hosts, intermediate hosts, and vectors for a very large number of unknown or as yet unknown bacteria, parasites, and viruses. And the forests of Central Africa, because of its biodiversity, are therefore important sources of new infectious agents. So, health risk at the human-animal interface in Central Africa. First, linked to the climate change. Climate change will have multi-level effects on ecosystem, their inhabitants, human and non-humans, and pathogens. However, the consequences of climate change, infectious emerging disease risk
are difficult to predict. However, climatic conditions alter host and vector population dynamics. And in Africa, several examples of emergence and re-emergence associated with climate change have been described for diseases such as Rift Valley fever, malaria, and chikungunya fever, as an example. The deforestation and forest fragmentation influence the behavior of abundance of wildlife species. These changes alter biological interaction between living organisms and can promote the alignment of events necessary for infectious emergence in humans. And several studies suggest that the likelihood of to have an Ebola virus disease outbreak at a site is related to recent deforestation. Subsistence and commercial hunting. In Central Africa, bushmeat represent an important source of protein and income for local population. Hunting, and more specifically, the capture, handling, preparation, and transportation of carcasses generate direct or contact with potential infected wild animals. Logging and mining activities in the Congo Basin are opening up trails and human settlements in previously untouched areas and facilitating access to new hunting zones, thus creating new human-wildlife interfaces. But some disease outbreaks have been directly linked to mining. The 1998 Marburg hemorrhagic fever outbreak in the gold mining village in the DRC, where 52% of the cases were miners working in underground mine. And actually the end of the epidemic coincided with the flooding of the mine. Agriculture practices. Subsistence agriculture is a major cause of forest degradation in the Congo Basin. This leads to significant fragmentation of forest cover and increased interface areas between human population and wildlife. Areas of crops are also very attractive food resources for wildlife and promotes direct and indirect contacts, increasing the risk of transmission between wildlife and human. Livestock, goats and pig and poultry that roam freely in the village. These domestic animals share the same habitats and resources as wildlife, creating opportunities for pathogen transmission from wildlife to livestock, to domestic animals. Also, the collection of bat guano in the caves used to fertilize fields, it's also an activity that creates indirect contact with potential infectious material. Beliefs and customs of the people living in the Congo Basin play a major role in the perception and diseases. The risk associated with their activities such as hunting and the interaction with wild animals, but also in the management of epidemics. Witchcraft was often cited as a cause of illness among ethnic groups in the DRC and in Gabon during the 2001-2002 Ebola outbreaks, for example. And custom of beliefs also lead population to have at-risk behavior with wildlife. Many ethics groups have interaction with dead animals during hunting or specific ceremonies. And live animal trade in Central Africa is mainly dominated by species such as parrot, python, and non-human primates. And this trade is quite effective in exposing populations to new pathogens. And concerning the tourism activities, today, tourists desire close encounters and personal experiences with wildlife. This close and regular contact between people and wildlife increase the likelihood of pathogen transmission between them. And this risk is particularly important between human and non-human primates, like such gorillas and chimpanzees, which, because of their strong ability to interact and their phylogenetic proximity, share many infectious agents. So, emerging infectious disease in Central Africa. Here you've got a map with all hemorrhagic fever outbreaks, including
Arena viridae with Lassa virus and leprovirus, Bunya viridae with Rift Valley fever and Congo Crimea hemorrhagic fever, Flaviridae with dengue virus, yellow fever virus, and also in red, the Filoviridae with Ebola and Marburg virus. And you see how spread are those outbreaks events. But I would like also to talk to you about HIV, which is a retroviridae. The first, it came from a transmission from non-human primates to human, actually. And the first case in human was in 1981. And today we estimated 75 million cases of HIV with 32 million of dead people. And today, 1.7 million new cases per year. And actually HIV is a quite, we call a success story of emergence. So the impact of zoonotic disease in Central Africa are numerous. First, less trade and transportation within countries, but also within the region and the continent. Reduced tourism activities, decreased agricultural production, decreased activities of mining and logging, fewer investors coming in the countries, high fiscal impact, and on the, also on the government budget, and high employment. And to control those infectious diseases, they need surveillance and control system of infectious and zoonotic disease in Central Africa. And actually, a surveillance system is a process of systematic and regular collection of information on the presence of the disease or health event in a target population. And if the objective is to detect early the emergence of zoonotic disease, such as Ebola virus disease in remote rainforest environments, the most appropriate option is to implement what we call events-based surveillance. For example, in the Republic of Congo, to detect abnormal mortality of gorillas and chimpanzees, and to collect samples to identify the infectious agent causing these outbreaks. And today, permanent surveillance of habituated ape groups and dead forest animals, as well as systematic collection of vectors, are practiced in different sites of Central Africa. But this type of event-driven and systematic monitoring relies on a very important effort of sensibilization of local populations and staff of NGOs and national parks. This allows them to detect mortality and raise the alarm for scientific teams to be deployed to the field to collect samples. And if the goal is to detect zoonotic agents that circulate in wildlife silently, or simply to try to characterize zoonotic pathogens circulating more frequently in the bushmeat pathway, it needs a surveillance system that is not targeted to a species pathogens, but directly towards species or taxa that may harbor zoonotic pathogens, such as non-human primates, bats, or rodents. The status of surveillance system in Central Africa. Most surveillance systems are strongly focused on viral emergence that have struck Central Africa in recent decades. Ebola virus disease, yellow fever, and monkeypox. Many other pathogens circulate, but are not monitored. And even though these, their impact on public health and on socioeconomic are far from negligible. And this raises the issue of a differential risk between the need to monitor diseases that affect local population and the need to monitor the controlled pandemic risk diseases that may affect everyone. And the means are not the same and are often biased in favor of pandemic risk diseases. So since zoonotic diseases are shared by human and animal, they can be monitored in both human and animal population, either within the framework of an integrated health approach, what we call the One Health approach. Both should be carried out and coordinated matters. And
in Central Africa countries, there is a significant difference between the level of organization of the resource allocated to human and animal health system. Human health structures follow a list of 5 or 6 priority zoonotic, and they do have budget for that. But veterinary services generally are much more limited resources to conduct surveillance in the livestock and the wildlife. I will conclude. So first, the IEDs are spreading more and more rapidly through Central Africa and the Africa continent and the world as a result of increasing and rapid national, regional, and international trade. The progressive landscape change impact the emergence mechanisms. Surveillance system and health policy with one health approach are critical in this forest ecosystem, and these surveillance and control system must contain the epidemic as quickly as possible. And as wildlife is an important source of protein and income in Central Africa, the surveillance system should consider the bushmeat industry. And emerging infectious disease can have socioeconomic consequences that are difficult for African government to cope with. Obviously, forestry sector impacted by infectious disease, and addressing, and I will finish quickly on that, this last point, addressing emerging infectious disease in Central Africa require both symptomatic treatment through surveillance and control of emerging pathogen and diseases, but also substantive treatment that limits human impact on forest and biodiversity loss. And it's important, both approaches are necessary and essential. And the COVID-19 crisis has painfully reminded us our need to profoundly change the way we manage the planet as a whole. And I will finish. Thank you very much. Sorry, I was long, but it's difficult to. Merci, Mathieu, pour la présentation. C'est vrai que c'est dans le chapitre défi. Nous allons clôturer notre session. Alors, pour information, il devait y avoir une séance de questions-réponses. Comme vous l'avez vu, les présentations étaient denses. Elles vont pouvoir être partagées. Les résumés des 13 chapitres en français et en anglais peuvent être lus et téléchargés sur le site www.observatoire-comifac.net. En attendant donc d'avoir la full copie. Donc, je remercie les présentateurs, Dr. Richard Eba, professeur Irma Ingram, professeur Pierre de Fourny et docteur Mathieu Bourgarel pour leur présentation. Nous allons, pour clôturer cette session, demander à monsieur Philippe Maillot, team leader biodiversité et ecosystem services de la Commission européenne, de clôturer cette session. Merci Florence. Voilà. Je vous remercie de me recevoir. Donc, je suis ici à Bruxelles. Et effectivement, c'est toujours un plaisir de clôturer ou d'ouvrir des sessions sur l'état des forêts. C'est pas la première fois que ça m'arrive, puisque j'étais, comme Robert l'a précisé tout à l'heure, au tout début de cette aventure en 2005. Donc, ça fait 17 ans bientôt. Et donc, nous avons fait beaucoup de chemin. Et à chaque fois, je crois que c'est vraiment un événement important pour toutes les forêts du bassin du Congo, pour toute la région, d'avoir cet ouvrage de référence qui ressort tous les 2 ans, parfois un peu plus, parce que ça demande énormément de travail. C'est important, pourquoi ? Parce que c'est vraiment la somme de connaissances de la plupart des scientifiques de la région. Ce n'est pas simplement un groupe d'experts de l'extérieur qui commence à faire des travaux de recherche, mais c'est vraiment un ouvrage collectif dans lequel les services nationaux, les scientifiques de la région, les praticiens de la forêt, que ce soit sur la protection forestière, sur la production forestière, l'éducation, la formation, peuvent tous mettre leur grain de sable, si je puis dire, donner leur contribution. Et ça, c'est vraiment un élément extrêmement important. Je voudrais dire que cet outil donc, qui a été supporté, donc l'Observatoire des forêts d'Afrique centrale et l'État des forêts, l'Observatoire des forêts d'Afrique centrale a vraiment été créé dans l'idée de pérenniser l'État des forêts, d'avoir un outil qui permette de donner cet outil, cette référence pour
les prises de décision au niveau national, au niveau régional, mais aussi au niveau local parfois. Et donc, je suis très heureux que 17 ans après, ça continue à l'œuvre continue à se poursuivre et que l'Union européenne a décidé de continuer son support. Donc, depuis 2005, le support ne s'est jamais arrêté, ce qui est parfois un petit peu difficile dans nos structures, mais on a vraiment toujours poussé pour qu'il y ait une continuation de cet effort. Et ceci va encore se poursuivre puisque nous sommes en train maintenant de penser aux phases suivantes de soutien à l'OFAC qui vont nous mener probablement jusqu'en 2030. Donc, on pourra dire qu'on aura vraiment soutenu cet outil au service de la région, au service de la Comifac, des États membres de la Comifac, mais aussi de tous les services nationaux et aussi au service de la recherche, au service de tous les utilisateurs de la forêt. Donc, ça, c'est je crois, une source importante de satisfaction personnelle d'abord, mais aussi d'abord pour la région. Enfin, je voudrais dire que cet outil, pour nous, on s'en sert également beaucoup dans toute l'évaluation, la définition de nos politiques forestières. Comme vous le savez, on avait une politique importante sur la production forestière qui s'appelle toujours le plan d'action CLECT. On a des politiques de conservation. Cette année-ci, nous fêtons les 30 ans d'Ecofrac. Donc, on a ces deux piliers importants qui doivent être sous-tendus par des sources d'informations fiables. Et maintenant, on a des évolutions de ces partenariats, puisque pour la forêt en général, on a des partenariats forestiers. Pour la partie de conservation, nous avons l'initiative Nature Africa. Et tout cela a besoin également d'informations qui reviennent du terrain, mais aussi qui viennent de systèmes d'information globaux. Et ça, c'est vraiment le rôle de l'Observatoire, de nous produire, comme on l'a vu aujourd'hui, vraiment des données qui sont compilées, mais aussi parfois qui sont créées de manière extrêmement intéressante et qui vont pouvoir nous aider à tous ensemble à avoir une gestion des forêts d'Afrique centrale au service de la population, des populations locales, au service des gouvernements locaux qui sont les seuls à devoir décider, les populations et les gouvernements à devoir décider de l'avenir de ces forêts, même si elles restent, elles sont un bien commun mondial. Voilà, je vous remercie. Je ne serai pas plus long parce que effectivement, certaines présentations avaient beaucoup de choses à dire et des choses très intéressantes. Donc, moi, c'est beaucoup moins intéressant, donc je serai beaucoup plus court. Merci et bon travail à tous et encore merci à tous les auteurs et éditeurs et imprimeurs et tout le monde. Voilà. Merci Philippe pour ces mots de clôture. Donc, merci à toutes et à tous qui étaient en ligne. Merci encore à tous ceux qui ont fait des présentations riches. Donc, on rassure encore tous ceux qui ont suivi cette session que le lien a été partagé pour que vous puissiez avoir le résumé en français et en anglais du prochain état des forêts d'Afrique centrale. Et les présentations de ce jour vont être aussi partagées. Donc, je vous remercie tous et à bientôt. Au revoir.